The Legend of the Phoenix. Cette année, 2013, on retourne aux années 80. Donc, des pigments purs, des pigments directs, des couleurs qui sont flash, vibrantes, intenses. Donc, ici, ce qu'on peut voir, j'ai utilisé un vert qui est quand même assez pigmenté avec des nuances de bleu. On peut oser, on peut en mettre beaucoup. Ce qu'on a fait avec la coiffure de Maryse, on est allé faire quelque chose de quand même assez simple. C'est une tresse qui est renversée. Donc, on est parti de l'arrière en remontant. On a juste rassemblé le tout en toc. Puis, on a ramené ses cheveux avec un petit diadème pour terminer le look. Très simple, très fashion. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où on utilise des couleurs très frappantes, vibrantes. Ici, j'ai utilisé un mauve, un violacé, pour aller vraiment à l'encontre du orangé qu'elle a dans ses cheveux, pour aller à l'opposé, pour faire tout ressortir, pour que ça paraisse extrêmement vibrant. C'est sûr que dans le maquillage, qu'on oublie beaucoup, c'est le blush. D'utiliser deux couleurs de blush pour créer l'ombre profonde, un autre pour créer la lumière au-dessus de la pommette. On peut y aller également vibrant. Ici, c'est sûr, j'ai les deux, ça fait un peu plus présent et imposant comme maquillage, mais déjà, si on a une pommette qui est bien prononcée, ça peut créer un maquillage de jour très facile, rapidement et très en fait. Étant donné qu'Ariane avait les cheveux courts, j'ai décidé de faire une petite bulle sur le dessus de la tête pour y donner un peu plus de volume. Puis j'ai ramassé comme tous les cheveux, puis je les ai comme tout mis sur le côté, puis j'ai commencé un peu de tourner. J'ai mélangé un peu les textures de frisé avec un petit peu de gaufré, puis un petit peu remonté pour donner l'impression qu'il y avait plus de cheveux. Alors ici pour le maquillage, j'ai utilisé prune, donc agrémenté d'un doré, pour ressortir ses yeux qui sont vert émeraude avec du jaune à l'intérieur. Ça ressort énormément ses yeux. Et également, j'ai utilisé beaucoup plus de shade en dessous pour approfondir son œil. Elle a quand même des yeux qui sont quand même assez grands, donc on peut se permettre de mettre beaucoup de foncé. L'important dans un maquillage qu'on oublie souvent, les sourcils. On peut utiliser une poudre pour le maquiller. C'est quand même très facile. Ça fait pas un trait direct comme un crayon. Il s'agit d'y aller tranquillement. Dessiner le sourcil naturel juste pour l'intensifier légèrement. Bon, ben ici j'ai décidé, il y avait beaucoup la possibilité de des tresses. Donc moi j'ai décidé de faire une tresse cul de poisson. Dans le fond, un peu varié. Puis dans le fond, j'ai frisé comme ça. Au début, je l'ai frisé. Après ça, j'ai essayé de tout remonter. J'ai comme monté un petit peu les boucles pour faire des semi-loupes de petits ronds. Puis je finalisais un petit peu en queue de poisson là, pour